Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors, comme je vous le disais, je refais vite une guidance générale puisque celle de ce matin était assez courte en soi. Bon, comme je n'étais pas là pendant une semaine, écoutez, c'est cadeau, c'est pour toi. D'accord ? Allez, pour ce faire, nous allons prendre le tarot akashique. Et puis, pour aller en concordance, nous prendrons le Love Soul. D'accord ? Les amis, je le redis, pour ceux et celles à qui ça intéresserait, toujours pour les guidances privées, me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. D'accord ? Merci vraiment par tous vos messages bienveillants d'amour tous les jours. Merci, merci, merci énormément. Merci. Allez, on va aller voir. Donc, pas d'inquiétude. Tout est protégé, tout est purifié. Par contre, j'ai pas allumé ma bougie. Parce que j'ai eu un moment où j'étais obligée d'arrêter puisque j'étais chercher les tenues de mes fils. Pour le foot, ils sont excités. Ils sont excités. Ben moi, je peux vous dire, je ne suis pas excitée de retourner à l'usine demain. Ah ouais. Ah non, non, non. Comment te dire non. Priez, hein. Priez pour moi, les amis. Hein. Demandez à l'univers. Hein. Demandez, please. Demandez à l'univers. Demandez à l'univers, s'il vous plaît. Please, please, please. Demandez à l'univers. Aidez-moi, plus nous serons nombreux pour que enfin j'arrive à en vivre de cette passion et d'un travail. Voilà, franchement. Oh. Merci, merci, merci. Allez, arrête donc de faire la bécasse. La bécasse de la bécasse. Eh ben oui. Moi, j'aime faire la bécasse. J'aime être moi, 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 au naturel. Bon. Moi aussi, hein, je fais des demandes à l'univers. Je fais des demandes à tout le monde, hein, d'accord. Mais ça se fait pas comme ça. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'ai 3 enfants. Voilà. Faut pas faire n'importe comment les choses, hein. D'accord. Allez, merci à vous toutes et tous. Allez, on y go. On y go. Merci aussi pour tous les messages que je reçois. C'est fou, fou, fou. Merci infiniment. Merci, merci. Ça me fait du bien de savoir que je vous fais du bien et que et vous ressentez mon énergie. Franchement, c'est de toute beauté. Yep. On adore, on adore, on adore et on adore. Ah ouais, yeah, là, je suis bien, je suis en forme. J'ai plus rien à faire derrière, donc je suis bien. Allez, on y go les amis. Allez, s'il te plaît, quel message as-tu donné pour les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera? Plus. Alors, ici là, nous avons le 2 de rose. Messager. Elle est. Alors, vous voyez, c'est important de regarder aussi les oiseaux ici. Hein. Là, pour moi, il y a une forme de pouvoir. Hein, de pouvoir. Alors, certes que vous allez peut-être pouvoir retrouver votre pouvoir de guérison, hein, double mot. Parce que il y a un moment donné, là où on va vous aider aussi à savoir ressentir et écouter votre propre guidance, votre propre intuition intérieure. Moi, pour moi, ici, il y a fort possibilité aussi d'avoir des retrouvailles ici, des retrouvailles, vous voyez, il y a 2 chaises, certes vides, mais il y a la possibilité, si on le veut, si on se donne les moyens, si on se donne le pouvoir d'avoir des retrouvailles ici, hein, c'est ce que j'entends. Alors peut-être forcément à boire le thé, le café ou pourquoi pas tout simplement manger, hein, un petit repas. Il y a des nouvelles pour moi, hein, qui arrivent ici. Hein. Il y a des nouvelles pour moi et peut-être une proposition, une demande ici. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste. En tous les cas, c'est une carte qui reste comme assez positive. Regardez, derrière, il y a quand même le soleil. Le soleil, c'est une carte qui est très, très positive, qui se dirige vers le rayonnement. Oh, oh. Allez, s'il te plaît, y a-t-il d'autres messages que je dois délivrer? Plus. Merci.
On y va à tâtons. Ici, nous avons le 4 de clé. Dégagez la voie. Vous voyez, ici, c'est comme si, aïe, c'était la fin des épreuves, la fin des défis, la fin des tests. C'est-à-dire que, enfin, nous allons retirer cet énorme tronc d'arme, hein, si je puis dire. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça qu'on dit. En tous les cas, ici, on te dit, enfin, on va retirer cela pour que tu puisses aller à ta destination, mais sans embûche. C'est-à-dire que, enfin, la voie est dégagée. La voie est libre, j'entends. D'accord? Vraiment. Regardez derrière les arbres aussi, hein. Il y a encore une notion de soleil. Regardez les éclaircissements qui arrivent, qui viennent à vous ici, là. D'accord? C'est vraiment... Alors, pour ceux et celles qui disent qu'il y a encore des tests, bah alors c'est vraiment la fin. La fin du fin ici, hein. D'accord? Alors, on me dit de regarder là, c'est quoi donc ça? Ah oui, d'accord, ouais, la hache, ok. Donc, ah, merci. Avec la hache, si vous voulez, c'est quelqu'un ici qui va se donner les moyens de revenir à vous, vous voyez? Vraiment, il va se donner les moyens. Pourquoi? Tout simplement, c'est quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir. C'est tout. Hein, c'est vraiment les énergies du moment, ici, là. On a compris, on a travaillé. Alors, certes, on a toujours des choses à apprendre et à travailler. Hein. Je le dis si bien aussi. Moi, j'ai encore beaucoup à évoluer sur différentes choses. Et il y a des choses, au jour d'aujourd'hui, sur mes croyances, qui ne pourront peut-être plus l'être dans 6 mois. Et vous, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous me suivez. Et peut-être dans 6 mois, je ne vais plus vous correspondre. Mais il y a pas mort d'homme, les amis, il n'y a pas mort d'homme, tout est juste. D'accord, tout est juste, rien n'est figé dans la vie, rien n'est figé, tout bouge, et heureusement, heureusement. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît? J'en ai combien là? Oh là 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 là. Non, 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 no way. No way. Non, voilà. 3, ça va encore et encore. C'est quand j'ai envie. Mais alors 4, 5, c'est mortibus. Mortibus. Mortibus le cucus, ça. Oh là là, c'est pas possible. Allez, j'ai fait mes énergies pour remonter le taux vibratoire. Je peux vous dire, là, je suis au summum du summum. Voilà. Enfin, ici, nous avons le roi du parchemin. D'accord, le roi du parchemin. C'est quelqu'un, hein, qui a l'intention de vous, soit de vous écrire, de donner des nouvelles, de toute façon. On l'a vu ici, hein. Qui est penseur aussi, là, hein. C'est quelqu'un qui a ses penseurs, qui réfléchit du comment faire, et qui n'est pas encore certain de comment procéder, et vraiment certain de venir à toi comme ça, comme ni vu ni connu, quoi. Vous voyez? Vraiment, là, il y a quand même une notion un peu instable, un peu bancale quand même, hein, ici, hein. On voit encore les grilles de derrière, hein. C'est encore ton hôte là qui est encore un petit peu bloqué quand même, hein, en soi, hein. Donc voilà, hein. Malgré qu'il y a quand même la lumière qui revient, hein, dans les 3 cartes, l'abondance, le rayonnement, le bonheur, l'harmonie, mais on voit quand même ici, il y a encore des petites choses à laquelle on est bloqué, on est en mode stagnation, hein. Mais ça nous dit quand même que c'est un homme qui est assez brillant, d'accord? C'est un homme qui se tient bien, c'est un homme qui est assez élégant, qui a de la prestance et qui veut bien faire les choses. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages clairs, précis, gestes?
Attendez, je reviens, j'arrive. Excusez, j'avais un souci, mon fils qui m'appelait. Bon. Donc ici, nous avons le 4 de parchemin, nous parle de la tranchée karmique. Tranchée karmique. Ici, il y a peut-être des choses, des épreuves, des tests karmiques qui vous ont été mis sur votre chemin, d'accord? Chemin tranché, ok? Mais ce que j'entends ici, là, vous allez récolter ce que vous avez semé, d'accord? En positif, hein? En positif, bien évidemment, hein? En positif. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Claire, précis, just, please. C'est des personnes quand même, j'entends, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé ici, hein. Mais oui. Ici, nous avons la reine de parchemin. Bah oui, bien évidemment. La reine, voilà. C'est ça. C'est encore les mêmes énergies. Hein, voilà. Votre hôte vous voit telle une femme sur un trône, dont la reine. D'accord? Vraiment. Hein, on voit que vous êtes. Il vous voit telle bien alignée, bien ancrée. Une forme de prestance aussi gracieuse, j'entends, harmonieuse. Et qui s'offre à elle-même les bonnes opportunités. Il vous voit tel que je viens de vous le dire. Et vous avez quelque chose qui se démarque des autres. Et ça, c'est du jamais vu, qu'on me dit en canal. Du jamais vu. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment... Vous vous distanciez de toute autre personne, en fait. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Parce que là, franchement, voilà. Mais c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime ou qu'elle aime, hein, d'accord? C'est à vous de transférer selon la polarité qui vous intéresse, hein. En fait, j'entends ici, il y a son état de conscience qui a drôlement évolué dès lors que il y a eu une distanciation entre vous et cette personne à qui vous pensez, d'accord? Ça l'a permise, en fait, de travailler. Ici, on me dit les deux de clés, le trésor, bien sûr. Ben, bien sûr, ouais. Bien sûr, là, il y a un trésor. Vous êtes son trésor. Vous êtes son trésor. L'abondance qu'il aimerait au jour d'aujourd'hui n'est plus matérielle, n'est plus pécunier comme il aurait pu l'être. Avant de travailler sur lui, avant de travailler son ego, avant de travailler aussi peut-être une dépendance au matériel. Et là, on te dit ici, il y a le trésor qui arrive. Le trésor, c'est quoi? Le trésor, c'est toi qui me regardais et à qui ça parle. Là, on prépare tout. Hein. On sent qu'il y a moins en moins d'embûches. On va avoir le chemin libre pour venir à toi et te donner des nouvelles et pourquoi pas une invitation à boire le thé. Hein. C'est quelqu'un, certes, qui a encore des choses bloquées, des choses à travailler, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est mieux, qui est prêt au moins de passer la première, si je puis dire. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Merci. Merci. Allez, on va aller voir là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, 3 de clés. Le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs. Vous voyez? C'est quelqu'un ici qui a pris conscience de ses priorités qu'il ou qu'elle avait prises avant votre distanciation n'étaient pas la bonne. Ça a été un échec pour lui ou pour elle. Et veut revenir, si je puis dire, dans le jeu, dans le game, d'accord, pour avoir à nouveau une chance, hein, une opportunité avec toi.
Et on te dit ici avec le 4 de rose, vision de l'ego. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Oui, vision de l'ego. Hein, il y a un ego ici quand même encore assez fort, mais qu'on y travaille. On y travaille. C'est quelqu'un qui aime plaire ou vous-même qui aimez plaire et en tous les cas vous plaisez. Ça, c'est une certitude. Hein. Fais voir ce qu'il y a d'autre là. Et oui, volonté, sagesse en esprit. Volonté, sagesse en esprit. C'est ça. Hein. Votre hôte a acquéri de la volonté, de la sagesse et un esprit tout autre. Un état d'esprit tout autre de avant. Oui, 5 de rose, le jardin. Regardez, tel des enfants, vous allez vous retrouver. Lui, c'est lui et vous, vous êtes là. Tel des enfants. Heureux, authentique, pur, magnifique. Et cela ira vers un engagement. Yep! Allez les amis, ça faisait longtemps. 1, 2, 3. On adore, on adore. On adore et on adore. Magnifique, une dinguerie. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, zou, zou, zou. On va prendre le tarot grand luxe. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Il est tout neuf d'aujourd'hui. Bah oui. J'ai été chercher les tenues de foot. Mais je n'ai pas pu, grand, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller à l'espace culturel. J'ai dû aller m'acheter celui-ci et un autre aussi que je planifierai, je sais pas comment je vais faire, mais c'est au niveau de savoir comment est votre taux vibratoire, au niveau de vos différences, dépendances, comme ça je vais pouvoir plus vous aider, etc. Et ça s'appelle la découverte du pendule. Bon, j'ai déjà mon pendule, hein, parce que j'ai fait des guidances privées tout à l'heure, avec mon pendule et mes cartes aussi, la canalisation, mais il est vrai qu'il y avait plein de petites pancarte et ça m'intéresse drôlement. Au lieu d'en acheter une par-ci, une par-là, au moins j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, mais je mettrai les choses en place et j'y reviendrai plus tard. Allez, on y go. Alors les amis, bien entendu, hein, n'hésitez pas. Je suis rendue, oui. Oui les amis, je suis rendue au moins à 300-400 oracles tarot. C'est une dinguerie. Et encore, je dois en recevoir un demain encore. Il est pas mal aussi, j'ai tout de suite accroché, je trouve cela très intéressant. Bref, les amis, n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Mais rien n'est obligé sur ma chaîne. Oh là là, puis quand je pense que demain je reprends le boulot, enfin je reprenne le régime, oh là 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 là, tout ça est de trop, tout ça est de trop. Non, j'ai trop mangé, ça va pas. Ça ne va pas. Allez, on y go, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages clairs, précis, juste pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera et correspondront avec les messages du tarot akashique? Plus use. Merci. Oh là là, 3 et... Ouais, ok. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Oh là 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 là. Le cavalier de bâton. Vous voyez là, il y a quelque chose qui fait que... Il y a eu un échec. Il y a eu un échec ici. On a été froid. On a été dur avec soi. En l'occurrence, votre autre, dès lors qu'il y a eu un échec entre vous et lui, on a été dur. On a été froid, tendu, stressé. Ouais, une dinguerie. Une dinguerie. Mais on me dit ici, c'est quelque chose qui lui ont permis justement d'avancer, hein, de venir à toi bientôt là. Et voyez, c'est quelque chose qui lui ont permis d'avancer. Hein. On n'a jamais dit que c'était facile, hein, bien au contraire. Ici, nous avons les amants. Oh, yep. Nous avons les amoureux, les amants. Ici, c'est une carte majeure, d'accord? C'est une carte qui est très importante. Pour moi, cette carte-ci... Elle est positive comme négative, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un petit peu en dancing, c'est quelqu'un qui a des choix à prendre. Donc là, à savoir si enfin on est apte à prendre le bon choix, et en l'occurrence de venir à toi. Parce que il y a du désir, hein, il y a du désir charnel. Hein. Oh, on n'a que des belles cartes. Nous avons la carte 7, la carte majeure, le chariot. La carte 7, voilà. Ici, on nous annonce quand même réussite, succès, hein, vraiment.
Maîtrise de soi aussi, je dirais. Maîtrise de soi. Donc votre autre ici, hein, voilà, hein, c'est quelqu'un qui, à force de travail, on a su s'écouter, on a su maîtriser ses ressentis et les écouter et passer peut-être, pourquoi pas, à l'action. Oh, mais on a toutes les cartes, c'est fou. Nous avons le 8, la force magnifique, d'une dinguerie, de toute beauté. Franchement, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Voilà, on te dit ici, on a retrouvé son pouvoir de sa force intérieure, d'accord, pour faire un choix entre deux personnes, d'accord, ou de procrastiner aussi au niveau de toi qui est en connexion, en télépathie avec. Hein, on est bien d'accord. Allez, on va aller voir. Magnifique, magnifique. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer? Plus. Oh là là, il est déjà rendu 20. Oh là là là. Moi, je suis passionnée. Je suis passionnée. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, hein. Univers, que tu m'entendes. Oui. Oh là 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 là. Oh là là. Il y en a qui demandent de gagner des grosses sommes au loto. Il y en a qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il y en a qui demandent nouvelle maison, nouvelle voiture. Ben moi, je demande de vivre de ma passion. Voilà. Et qui se fera, j'en suis sûre. Ici, nous... Oh non, mais c'est dingue. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 4 d'épée. Mais c'est fou. Les fins d'une dispute pour une vie meilleure, pour une paix retrouvée. Votre autre a vraiment, vraiment travaillé, les amis. Hein, pour ceux et celles qui avaient des inquiétudes de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir de réponses, c'est quelqu'un qui a grandement travaillé sur lui, en mode repos, en mode isolement, en mode méditation, peut-être en mode soins énergétiques, Reiki, etc., etc. C'est quelqu'un qui a énormément, énormément travaillé, qui a peut-être eu aussi ici une clarté sur des questionnements à laquelle il n'avait pas forcément les réponses. Et ici, nous avons la tour. Non, mais c'est fou. Nous avons la tour. Il y a eu encore un échec. Hein. Il y a eu un échec ici. Mais cet échec va vous permettre de vous retrouver, des retrouvailles, hein. Une invitation ici, d'accord? Magnifique, on adore. Oui, un échec, tout s'écroule. Où tout va s'écrouler, d'accord? Je vous le rappelle, les guidances que je fais sont toutes intemporelles et prennent effet à partir du moment que vous regardez la vidéo, la guidance, qui sont toujours générales, hein, qu'on se le dise bien. Magnifique, mais qu'est-ce qu'on a des cartes majeures là, les amis? Oh, c'est fort, hein, il y a du lourd là. Là, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd, du très lourd. Oh là 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 là! Oh, j'adore, 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 j'adore. Oui, j'adore, j'adore. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous allez apprendre à me connaître. Je suis une boule d'énergie. Et là que j'ai fait mes soins, je peux vous dire que. Il y a du monde, hein, il y a du monde, il y a du monde. Bref, ici, il y a la reine de bâton. Reine de bâton. Donc là, c'est quelqu'un, c'est une femme qui est quand même assez battante aussi, qui est assez forte, qui puise souvent en elle, d'accord? Et très, très intuitive aussi, je dirais même, hein, très intuitive. Par contre, je dirais aussi, il y a un côté méfiante. Hein, on se méfie un petit peu quand même, là. Il y a des choses, on se méfie, on préfère quand même à demander à une ou deux personnes quand même avant d'agir, hein, j'entends. Ben oui, là, vous voyez, là au niveau, comment dirais-je, au niveau du choix qu'il a à faire, hein, avec les amants et le chariot. Le chariot, c'est quand même quelque chose qui est assez positif, hein, d'accord, il faut le dire. Maîtrise de soi, réussite, succès, etc. Mais ici, même si vous pensez que votre hôte est prêt et tout, vous serez quand même, vous resterez quand même dans des énergies au départ, du moins très méfiantes, hein, parce que peut-être du mal aussi à réaliser, peut-être du mal à y croire un petit peu, puisque vous avez peut-être déjà eu, ou du moins, il vous a déjà, ou elle vous a déjà fait des petites entourloupes,
Hein, et ici, nous avons le monde. Regardez-moi de toute beauté. Moi, il m'a fait tilt, hein, ce tarot. Hein. Il m'a fait tilt de suite. On m'a dit, allez, prends-le. Enfin, je me suis dit, prends-le. Hein. Magnifique. Des aigles, lions, vaches à cornes. vraiment, voilà, le monde. Hein. Le monde, c'est aussi très, très positif. Et vraiment, voilà, succès, accomplissement, réussite. Il y a un équilibre retrouvé ou qu'on avait déjà. On va s'accepter de plus en plus, hein, finalement, selon la relation que vous allez mettre en place, vous allez être moins moins renfermé, vous êtes plus vous ouvrir au monde, hein, finalement, ou à votre autre aussi, hein, c'est pas impossible. Allez, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons en dos de deck, hein? En dos de deck, nous avons le balai de pentacle, franchement, de toute beauté, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça, regardez, regardez bien l'illustration, c'est important. Alors là, ça correspond, voilà, à un jeune. Moi, je pense que la personne à qui vous pensez... Alors, je ne dis pas que, obligatoirement, elle est jeune d'âge. Alors, c'est peut-être très bien une personne à un âge avancé, mais en tous les cas, je ressens son énergie intérieure et psychologique est très jeune, d'accord? Donc, ça peut être, effectivement être un jeune, mais pas que. Ça peut être simplement un état d'esprit jeune ici, hein, d'accord? Aussi, qui va vers une guérison du cœur, qui se dirige vers une guérison du cœur. Sache plus s'écouter. Ouais, transformation qui est complètement transformée avec le papillon, hein. Qui est complètement transformée avec le papillon, hein. Je veux dire, je peux pas, ouais. C'est quelqu'un qui va retrouver une forme de bienveillance, d'amour inconditionnel, mais pour lui-même, d'accord, faut pas l'oublier. Et je le répète, mais qui va coûter une forme d'intuition et aussi qui se dirige vers une forme d'abondance. Hein. Les pentacles, le 5 de pentacle ici. 5 de pentacle. Voilà. C'est quelqu'un qui a été quand même beaucoup dans des dépendances et je sens qu'il le sera moins. Hein. Bon, bref, on va aller voir après. Oui, maîtrise de soi, de toute façon, c'est sûr. Ouais. Ok. Bon, ben voilà pour les tarots, on va dire. Hein. Bon, en ce moment, voilà, je vous en fais un peu plus au niveau tarot. On m'a demandé de faire un petit peu plus les tarots, donc j'essaye de faire. C'est vrai qu'à une période, j'étais beaucoup, beaucoup connectée avec les oracles, hein, plus que les tarots. Et puis là, on m'a fait la demande. Donc, bon, voilà. Au moins, il y en aura pour tout le monde. D'accord. Allez, maintenant, on passe par l'oracle Love Soul. Déjà, gros bisous à celle qui me l'a envoyé. Je me rappelle plus de ton prénom, excuse-moi, il y en a tellement. Mais un gros merci à toi. Merci, merci infiniment. Allez, hop. Allez, pourrait-on avoir des messages en correspondance avec le tarot Grand Luxe et le tarot... je m'en rappelle plus. Akashic, merci. Allez, s'il vous plaît. Ouh. Ouh. Alors, ici, on te dit une nouvelle rencontre, voyez. Hein. Il y a un côté magnétique entre vous. Hein. Donc, nouvelle rencontre, pas spécialement, mais au moins, là, voilà, on va redemander à vous revoir. Hein. On va tout faire pour vous redonner des nouvelles. Hein. Alors, il y a peut-être aussi le signe Sagittaire, ascendant ou lunaire, ici. On te dit ici, en tous les cas, il y a vraiment un amour tel, profond et fort, très fort. C'est quelque chose qui est assez imprévisible et irrésistible, on me dit là maintenant de suite. On te dit oui, effectivement, vous allez arriver vers un nouveau cycle. Alors que ça peut être vous et votre autre, mais là j'entends plutôt les deux. Hein. Vous arrivez à un nouveau cycle ensemble. Voilà, un nouveau départ. Nouveau départ et peut-être une déclaration aussi ici, hein, j'entends. Oh, interférence ici, hein. Attention, hein. Ben oui, hein. Attention aux jalousies avec le Joker, attention aux personnes jalouses, aux personnes qui vont se rendre compte de ce que vous allez vivre avec cette personne, il y aura de la jalousie tellement que vous allez émaner de l'amour, tellement que vous allez rayonner. Allez, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme message? Alors, ici, nous avons love, amour. Alors, attention, ici, réévaluez votre amour que vous avez pour vous déjà.
C'est important, hein. Réévaluer l'amour que vous avez pour vous. J'espère que votre autre, il va savoir se remettre aussi en question au niveau de sa confiance en soi et de savoir comment il s'aime. Et puis, ça peut être les deux aussi ici, hein. Allez, on va aller voir. Hop, aussi au niveau des interférences, ça m'inquiète. Interférences. Eh oui. Connexion, contrôle, manipulation, obsession, dépendance, affective. Attention là, il y a des interférences, j'entends que là c'est au niveau d'une autre personne. Hein. Il y a une autre personne ici qui va vous émettre des interférences, de la négativité, de la toxicité. Parce qu'on va comprendre que vous êtes love to love d'une autre personne ici. Hein. D'accord? Donc attention, soyez méfiants, méfiantes. Prenez garde et faites les choses correctement et intelligemment, c'est ce que j'entends ici. Hein. Donc attention. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages ou pas? On va aller voir ici. Ok, merci. Voilà pour ça. Love veut ou rien. Ok. Patience, c'est une question de semaine ici, d'accord. En fait, vous allez réussir à vous aimer tel que vous êtes, accepter le corps que vous avez et de la façon de qui vous êtes, ici, réincarné en telle ou telle personne, d'accord? Et votre autre, en l'occurrence, c'est exactement la même. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages que je dois délivrer? Plus! Ici, on te dit, attention, il y a des personnes qui pensent encore et encore dans les pensées limitantes que c'est un amour court. Non, ce ne va pas être un amour court. Il y aura un engagement sérieux pour moi. Il y aura un engagement sérieux. Donc, attention à vos pensées. C'est ce qu'on me dit ici. Attention à vos pensées qui vont limiter les choses. Pareil, arrêtez de culpabiliser. Il y en a pour beaucoup qui vont culpabiliser au niveau de leur propre famille qu'ils ont déjà créée. Ça ne sert à rien. Et ici, on a prendre son temps. Prendre son temps ici. D'accord? Eh oui. Ah oui, d'accord, merci. Non, vous prenez trop votre temps au niveau de des personnes à trier ici. Pardon, c'est moi-même qui est... Ok. Et ici, on te dit protection divine. Tu as la protection divine sur cette relation à laquelle va débuter. Hein. Cette invitation et des pourparlers qu'il y aura, de comment vous allez mettre les choses en place, secrètement ou pas. Ça, c'est à vous de savoir. Mais faites bien attention, j'ai plus beaucoup de batterie, faites bien attention, prenez garde, faites les choses intelligemment, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En tout cas, faites confiance, ayez cette sincérité de vos prières et de vos demandes du tout en fait. Voilà, merci. Ok. Je regardais moi. Ok, eh oui. Eh oui, il y a encore des personnes, vous vous sentez prisonnier, prisonnière du passé, donc de ce que vous avez, pourtant vous arrivez vers un fin de cycle, hein, mais pourtant vous avez des synchronicités, il y a des personnes, vous arrivez vers un fin de cycle, donc faut vous coupiez un lien toxique sentimental, hein, c'est ce que j'entends, et en plus de ça, vous avez beaucoup, beaucoup de signes de synchronicité pour vous donner de l'élan, de passer à l'action. Hein, qu'il y a autre chose, vous fermez une page mais il y a une autre qui se réouvre et regardez, on te dit en plus il y a des belles opportunités qui arrivent et tu as ta solution en toi, tu as la solution en toi, bref voilà les amis, donc sachez prendre ce qui résonne en vous, hein, je ne le redirai jamais assez, on va passer là maintenant de suite aux pancartes, ça me fait bizarre parce que comme j'ai déjà fait tout à l'heure, ça me fait trop bizarre. Alors s'il vous plaît les amis, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit bien évidemment, malgré qu'il n'y a rien d'obligation sur ma chaîne, des fois j'ai l'impression de ne pas parler française, c'est pas grave. Malgré que rien n'est obligé sur ma chaîne, des amis, sachez qu'un petit like, ça fait grandement plaisir, ça m'encourage aussi, même si malgré tout je suis une passionnée et que je fais ça avec
cœur, bonté, d'amour. Enfin bref, vous m'avez comprise, et aussi de partager, simplement ça fait augmenter la chaîne, et qui j'espère, oui, Nifère, entend mes prières, oui, entend mes prières, de vivre de ma passion, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, hop, des messages, hop, on me dit, et hop, allez, zou. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux, ne pas vous inquiéter, je ferme les yeux quand je prends dans les breloques. Allez, go! Ici, j'avais pas vu. Ici, on nous parle de contrat durée déterminée. Il y a des personnes, qu'est-ce que je vous ai dit là tout à l'heure? Oui, vous pensez que c'est un amour passager, vous pensez que c'est un amour qui ne durera pas. Et donc, vous voyez les pensées? Elles sont pas bonnes, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Attention à vos pensées. Ici, on me dit... Ah, des personnes... Non, mais c'est dingue, c'est ce que je venais de vous dire. Oh, alléluia! Non, mais moi, je suis déjà à mon compte, je suis déjà à mon compte, c'est sûr. Hein, tout ce que je fais est déclaré, mais j'aimerais le faire à temps complet. Je serais heureuse, mais franchement. Voilà, se mettre à son compte, il y a des personnes, peut-être aussi vous êtes un fan de CDD, hein, c'est ce qu'on me dit, et vous aimeriez vous mettre à votre compte aussi, avoir plus de temps et à faire plus les choses au mieux, de vous rapprocher de ce futur hôte aussi, peut-être. Hein. On nous parle de printemps ici, hein, on nous parle de printemps. Voilà, ici nous avons qu'une lettre, nous avons la lettre K, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons... le chiffre 0, on te dit tout à l'heure, on te l'a dit, hein, tu as un fin de cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Donc, tu tournes une page pour en réouvrir une. Le 0, je le rappelle, hein, c'est quand même le fou, d'accord? C'est quelque chose qu'on va retrouver son côté enfant intérieur pour aller de l'avant et faire les choses avec authenticité et spontanéité et non dans une forme de calcul, donc d'être comme un enfant. Regarde ici ce que j'ai. Non, ça, je vais regarder à la fin. Ouais, ok. Ici, nous avons la lettre, le chiffre 32. Ouais, je le mets à côté. Le chiffre 32, le chiffre 23. Alors, soit tu habites au 32 rue ou au 23 rue, d'accord? Ou bien sur ton numéro de téléphone portable ou de fixe, peu d'importance, tu as le chiffre 32, le chiffre 23. Et cela n'est pas anodin si tu l'as en doublon. Cela n'est pas anodin si tu l'as en doublon. D'accord. On me parle ici en canalisation, il y en a pour certains, certaines, vous allez voir souvent l'heure 5h05 ou le chiffre 55 ou sur une plaque dite matriculation. Donc, sachez que c'est un signe aussi de synchronicité. On me dit, il y a quelqu'un ici qui arrive vite, qui arrive avec rapidité. Hein, ça ne serait tardé, c'est ce qu'on me dit ici avec cheval, mais je dirais plus la licorne, d'accord. Avec la couleur blanc qui est au niveau pureté. On vient à vous avec pureté, avec sagesse et avec douceur. Ici, on te dit pourquoi. On te dit tout simplement, on veut recommuniquer avec toi ou communiquer avec toi, tout simplement. Sache écouter, sache tendre l'oreille, ne coupe pas la parole, sache écouter et après tu répondras. Mais sache écouter, sache être patient, patiente et être dans une forme de compassion. Toujours n'est pas évident quand on doit revenir ou... ouais, revenir montrer de quoi de ce qu'on veut, hein, réellement, hein, voilà. Ici, nous avons le papillon qui nous annonce la transformation. Hein. Pour moi, c'est le grand papillon. Donc là, vraiment, on arrive vers la fin de transformation de ton autre ici, qui va être prêt. Et regarde, ici, nous avions le 5 dans la bague. D'accord? Nous avions 5 dans la bague. Et ici, on me parle, il y a peut-être un engagement pour mai 2023. Tu vas peut-être te réengager pour mai 2023 ou du moins on va te proposer un engagement pour mai 2023. Alors un engagement, ça concerne quoi? Ça concerne des fiançailles, pacsées, mariées ou bien tout simplement, ça peut... Les enfants arrivent, attendez, hop. Bon, non, c'était pas les enfants, c'était mon conjoint. Alors voilà, bref, donc on te dit que pour mai 2023, peut-être un engagement. Donc, je le redisais, l'engagement, c'est quoi? Ça peut être des fiançailles, un mariage, pacsé. Je ne sais plus où j'en étais, donc je vous le répète. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une demande de vivre sous le même toit, donc de s'engager dans un crédit à deux pour acheter. Hein. Aussi, c'est un engagement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, un engagement, ça reste un engagement.
En tous les cas, on te dit ici, avec le 5, c'est quand même quelque chose qui requiert au niveau de l'amour. C'est un chiffre positif, d'accord? Donc, vraiment, beau tirage. Beau tirage. Beau tirage. Magnifique. Voilà les amis, en tous les cas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Les amis, il est important de toujours prier pour nos malades, nos SDF, pour notre belle terre-mère Gaïa, pour émaner nos énergies positives. Sachez partager aussi vos expériences, c'est important. Ça peut en aider au moins un. C'est important, je trouve, qu'en ce moment, j'ai la sensation qu'il y a de moins en moins de solidarité. Je trouve cela très dommage. Ce n'est pas un jugement, mais je trouve cela dommage. Sachez que nous sommes toutes et tous uniques. Et nous sommes toutes et tous reliés. Donc, à un moment donné, si vous ne comprenez pas, je ne peux rien faire. Voilà. Tous ensemble, nous allons pouvoir réussir, gagner. Mais tous ensemble, pas individuellement. Tous ensemble. D'accord? Voilà. En tous les cas, merci de rester dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je te fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives. Bye bye, ciao, ciao, ciao.